et bienvenue dans ce nouveau Let's Play Pokémon. C'est un grand jour aujourd'hui, car je vais me lancer dans une nouvelle aventure dans le Pokéworld, et ça sera encore sur un fangame, avec cette fameuse musique épique, The World of Pokémon. Est-ce que vous aurez deviné quel jeu c'est? By Involuntary Twitch. Et oui, c'est Pokémon Uranium. Attention, c'est radioactif. Bon, je pense que vous l'aurez deviné avec le layout radioactif. Hein. Et le jeu est en français. C'est pour ça que je souhaite l'inaugurer. Car je vais faire le premier let's play de Pokémon Uranium 100% français, bleu, blanc, rouge. Personne ne l'a encore traduit. La traduction est assez récente. Elle a été faite en... si je me souviens bien, elle date du mois d'avril. Donc les options ont déjà été pré-réglées. Donc ça va être nouvelle partie. Et vous l'aurez vu aussi dans le layout et le titre, ça va être un Nuzlocke Challenge. Je vais me verrouiller avec un cadenas en mode Nuz. Non recommandé pour les joueurs débutants. Et encore moins recommandé sur un fan game de base plus difficile. Non, je suis fou. Nuzlocke activé. Alors, comme expliqué, bon, quand on fait un Nuzlocke Challenge vidéo, la tradition veut que les règles soient dictées à chaque fois dans la description et rappelées à chaque épisode. Donc, ce que je vais activer, c'est le mode Nuzlocke, hein, qui est déjà le mode hardcore standard, avec la clause de duplication, c'est-à-dire qu'on a le droit de capturer le Pokémon suivant si le premier qu'on a rencontré est déjà dans notre Pokédex. Et la clause chromatique, parce que un shiny, c'est tout brillant, il y a des belles étoiles, c'est trop rare, on va pas zapper ça. Alors, désactiver le soin combat. Je pense que je suis pas sadomaso. Je me réserve le droit de manière facultative de m'auto-imposer cette règle dans certains combats difficiles comme les champions d'arène. Petite précision, dans la Ligue Pokémon, c'est interdit les objets, donc c'est déjà désactivé. Mais voilà, pour les... Je préfère, je suis pas en mode sadomaso. J'ai quand même autorisé le soin en combat par défaut. Alors, même sort pour désactiver les boutiques Pokémon. J'ai quand même autorisé les boutiques, ce n'est déjà que pour les Pokéballs. Hein. Poison l'ancienne, par contre, je vais l'activer pour la simple et bonne raison que dans tous les Pokémon que j'ai joué, je me suis contenté des 3-4 premières générations et le poison, il faisait mal hors combat jusqu'à envoyer au chaos. A partir de la 5G, le poison hors combat ne faisait plus rien. Ça a été casualisé. Mais comme je suis habitué à jouer avec ces difficultés des premières générations, je l'active. Et enfin, le mode défi. Bon, tout simplement, c'est le mode difficile. Tous les Pokémon des dresseurs ont un niveau à peu près 10% plus élevé. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il soit par exemple niveau 10, il va être niveau 11, voire 12, et peut-être même un chouïa plus. On va l'activer, c'est-à-dire que je vais jouer en mode Nuzlocke et difficile à la fois, aka le Challenge Mode. Oui, c'est un double challenge, Nuzlocke Challenge et Challenge Mode. Donc nous allons démarrer la partie. Oui! Hein, qu'est-ce que... Oh, salut toi, bienvenue dans le monde des Pokémon. Oui, en passage, pour la première fois, comme j'ai fait un layout avec webcam, vous voyez ma tronche. Allez, je reprends. Je m'appelle Bambo. Oui, on se croirait dans les îles oranges, là. Ou à Aloha. Mais si tu trouves ça difficile de prononcer, tu peux juste m'appeler le professeur Pokémon. Tu es en vacances, t'es en short, là. T'es le gamin qui candidate pour le boulot, pas vrai? Bah oui, dans Pokémon, on est toujours un gamin. Faut pas comprendre pourquoi. Génial! Tu veux des interviews? Non, merci, c'est bon. Je connais parfaitement Pokémon. Un Fakemon. Parce que dans Pokémon Uranium, oui, c'est 80% de Fakemon dans le Pokédex. Hein. Nous autres humains partageons ce monde avec des créatures appelées Pokémon. Plus que de simples animaux, les Pokémon possèdent des pouvoirs exceptionnels et une intelligence remarquable. Les gens et les Pokémon coexistent de multiples façons. Certains Pokémon sont de compagnie, d'autres aident pour le travail, et d'autres encore sont utilisés en combat par des dresseurs comme toi. Mais il y a tellement de choses que nous ne savons pas à propos des Pokémon. C'est mon boulot, j'étudie les Pokémon pour vivre. Je suis spécialisé sur les types de Pokémon. Chaque Pokémon a un type élémentaire et chaque type a ses propres forces et faiblesses. Bon, merci pour le tutoriel. Hein. Mais pourquoi existe-t-il? Y a-t-il des types que nous n'aurions pas encore découverts? Ah, mais laisse-moi te parler de ta première mission. Oui, tu es mission impossible.
Je t'attendrai demain à mon labo pour te donner ton premier Pokémon. Maintenant, si tu veux bien remplir ce formulaire-là, qui es-tu? Bon, je vais prendre le joueur androgyne. Ça, c'est bien, ils ont pensé à faire un androgyne. Êtes-vous sûr? Oui. J'aimerais connaître ton nom. Dis-le-moi, s'il te plaît. Alors, c'était une condition pour que je fasse ce let's play. Et ben, j'ai réussi à la résoudre. Il fallait que je puisse écrire les caractères accentués parce que, vous avez vite compris pourquoi, les accents, c'est sacré pour moi. Or, j'ai étudié le mécanisme de RPG Maker, quand on peut faire des entrées clavier directement sur le jeu de fond en comble, et tout ce qu'on appelle dans le jargon informatique des touches mortes, c'est-à-dire par exemple la touche tréma ou accent circonflexe, puis il faut appuyer sur une autre touche pour activer le caractère accentué, c'est totalement ignoré. Et les codes du genre Alt plus un chiffre aussi ne fonctionnent pas. Donc, j'ai trouvé la ruse. Alors, on a le droit à combien de caractères? Ah, pas mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, bah, je peux pas écrire mon nom complet. Bah, ça sera Anarion tout court. Sinon, j'aurais tapé Amres Anarion. Donc, Anarion. Alors, pour faire l'accent, il faut que j'active un clavier français spécial que j'ai téléchargé exprès. Et il me semble que c'est Alt, Gras et Q. Non. Ah non, c'est pas ce clavier. C'est le clavier irlandais. Voilà. Maintenant, je repasse en clavier français standard. Voilà, j'ai pu mettre mon accent. En fait, il faut que la touche soit de manière native inclue sur le clavier, sachant que les touches Shift, Shift et Alt, et bien sûr Alt plus Shift, fonctionnent. Entrée. Ton nom, il y a Anarion, oui. Oui, parce que les Anglais, ils aiment pas les accents, alors qu'en France, on aime les accents. Alors, le prologue. Il y a 10 ans, la famille de Anarion vivait à Vagun, la plus grande ville de Tandor. Oui, parce que la région, c'est Tandor. Leur père, Kenin, était un ranger, Pokémon talentueux et brave. Leur mère, Lucille, était une brillante scientifique et une experte en énergie nucléaire. Ah oui, c'est uranium. Malgré le fait qu'ils aient un emploi chronophage, ils trouvaient toujours le temps pour s'occuper de Anarion. La région de Tandor était en paix, et la société où travaillait Lucille planchait sur une forme d'énergie écologique qui changerait le monde. Oui, le nucléaire, c'est écologique. Le futur semblait radieux, jusqu'à... trois petits points... C'était un jour ordinaire à la centrale nucléaire où travaillait Lucille. Durant une inspection de routine, ils amenèrent un spécialiste pour analyser le système électrique. Avec la musique de la route de glace de Johto, on notera. Cameron, vous avez fini? Oui, tout allait en ordre. Ce générateur que vous avez conçu est vraiment adapté pour sa tâche. Lucille. Excellent. Juste pour une info, le nom de ce système informatique qui pilote la centrale nucléaire, ça s'appelle Curie, tout en majuscule. Donc ce sont des initiales. Hein. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Si tout le monde a fini de travailler, prenons une pause déjeuner. Boss, faut dérouler ça. Étrange, les indicateurs de température sont beaucoup plus élevés que d'habitude. Soit nous allons avoir besoin de réinitialiser les thermomètres ou... Le réacteur laisse passer beaucoup de chaleur. Ça ne peut être que le thermomètre, je viens juste de m'en assurer. Donc... Alerte, alerte, alerte. Il y a une alarme là. Il y a sûrement une faille dans le réacteur. À cette température, dans quelques minutes, il va y avoir une fusion du réacteur, oui oui. Tout le monde doit évacuer la zone, maintenant. Lucille, vous devez vous en aller aussi. Bon, ce prologue me fait beaucoup penser au film Godzilla, celui qui est sorti en 2014. Hein. Où il y a eu aussi un accident nucléaire. Lucille! Ouais, parce qu'elle va être coincée. Elle va aller dans le réacteur pour voir ce qui se passe. Et on va plus la voir après, elle va disparaître. Grâce à l'aide de Cameron, tous les scientifiques ont pu s'échapper à Nen. Sauf Lucille. On ne l'a jamais revue depuis ce jour. Après ce jour, les radiations s'échappèrent du réacteur défectueux, ont rendu les environs inhabitables pour Zidane. Bon, c'est un Tchernobyl bis, hein. Empêchant toute tentative de sauvetage. Et là, on est tout triste. Kéline a été profondément touché par la perte de sa femme. Sa personnalité changea, il était devenu froid et focalisé sur son travail de ranger. En peu de temps, il a été promu chef des rangers Pokémon de Tandor. Bravo pour la promotion. Toutefois, il était devenu trop occupé pour s'occuper de son enfant. Anarion a donc été envoyé vivre avec sa vieille tante à Bourmoki. Oui, parce que dans Pokémon, la première ville s'appelle toujours Bourmachin Chouette. 10 années ont passé. Bon, déduction, notre personnage a plus de 10 ans.
La santé de la tante se détériorait, éduquer un enfant était trop de travail pour elle. Heureusement, Ernest Bambo, le professeur Pokémon local qui vient des îles ensoleillées, parce qu'il est en short et en lunettes de soleil, recherchait un assistant pour ses recherches. Deux gamins, parce qu'on est toujours un gamin, du beau moquer ont postulé. Anarion et son ami d'enfance, Théo. Bah, le rival, c'est une tradition. Il était commun que les enfants, à partir d'un certain âge, 10 ans dans le canon Pokémon, mais bon, je vois mal comment on peut laisser un gamin de 10 ans se débrouiller tout seul dans la nature, même avec un Pokémon. Reçoive un Pokémon et parcourt la région en tant que dresseur de Pokémon. Ainsi commença le voyage de Anarion. Ça y est, enfin, on va avoir le contrôle. Le prologue est terminé. Anarion, descends, tu es en retard! Oui, c'est la mémé criarde. Il y a une pub pour un nouveau jeu à la télé. C'est une simulation de combat Pokémon appelée version bleue et rouge. Mais c'est vieux comme tout. C'est vieux comme tout. Moi et mon chouette temps, la grande aventure de Gelbeats. La quête des légendes. Bon, le PC, c'est une tradition. Retirer des objets, la potion. Et il vaut mieux la prendre, la potion gratuite. La carte de Thunder West. Néotech, Kevlar. Feuilly. Elle a un nom, la roue. Sentier du lac. Ah, les routes ont des noms, ça c'est sympa. Attends. Faut pas que je me cogne. J'aime bien regarder, interagir avec tout. Ah, Nario, mon chéri! C'est le grand jour aujourd'hui, n'est-ce pas? Je me sens mélancolique. Voyons mon petit bébé tout grand s'en allant de la maison. Oh, si mes vieux os pouvaient faire plus pour nous soutenir tous les deux. Mais nous savons tous les deux que tu es prêt, toi, ce garçon, Théo. Toujours dans tes pattes, celui-là. Tu as toujours été si doué, mais lui, il est plus jeune après tout. Je suis certaine que son père Cameron ne le laisserait pas partir sans être sûr. D'ailleurs, pour célébrer ton grand jour, j'ai un cadeau pour toi. Vas-y, ouvre-le. Oh, des chaussures Adidas! Pub. Il est écrit: pour courir, appuie sur Z. Ouais, bon, on a compris. Sniff! Oh, ne t'en cas. Oui, t'as dit le Pokémon légendaire Phoenix, hein? Ne t'en occupe pas! Je suis simplement une vieille dame émotive. Et si seulement ton père était ici en ce moment, eh ben, je suis certaine qu'il aurait été aussi fier de toi! Je suis sûre que tu le rencontreras en cours de ton aventure. À présent, je ne peux te regarder plus lointain. Dis bonjour au gentil professeur de ma part. Pour moi! Veux-tu? Et si tu peux, reviens me voir après avoir reçu ton premier Pokémon. J'adorerais le voir. Bonne chance, mon chéri! Merci, mamie! Enfin, matin plutôt. Y'a quoi comme café là? Oh, elle est froide, c'est triste. Alors, on peut courir maintenant. Le tiroir à bas de tantine. Philosophie Pokémon, on a compris. Allez, on fonce. Bourmoki, y'a un petit bruit d'eau. Oh, super bonbon! C'est gentil. Faut toujours parler à tout le monde dans Pokémon. Ça c'est pas le droit. Attends, si je fais deux choses à la fois. T'as vu. Alors vous noterez que les PNJ disent pas forcément la même chose si on leur en parle. Là, là, là. Non, y a pas de maison là. Ah, y a toujours une déchirure verticale là. Je suis si jaloux que tu aies ton propre Pokémon. Ma maman me dit que je dois attendre que je sois grand. Non, j'ai pas encore de Pokémon, désolé. Missignol, c'est un type vol. On va découvrir les noms français des Pokémon. Mon Pokémon préféré est Chenurchon. Il est trop mignon. Moi aussi, je préfère les petites villes en pleine forêt où il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, les petits villages. C'est quoi le comme jeu? Pokémon version rouge. Ça se voit que c'est des nostalgiques. Hein. C'est dangereux de partir sans Pokémon. Repousse, Moldu. Hé, je veux lire le panneau. Route vers Kelvar. Oh, le gilet pare-balles. Bon, moqué. Ah, il me semble que dans une ancienne version, dans les anciennes versions, on était obligé de se mettre en bas du panneau pour le lire. Bourmoki, la ville des départs prometteurs. Lui, je l'ai déjà. Oui, j'ai déjà parlé à lui. Attends, courir. Ok. Oh, Éclatroc.
Au 3, droit devant. Oula, c'est qui lui? Il y a une mouche là qui vole. Ah, bon. C'est bon, je l'ai eu. Bonjour Anarion, aujourd'hui le jour où Théo et toi allez recevoir votre premier Pokémon, n'est-ce pas? Théo était vraiment excité, j'imagine que tu l'es aussi. Ah, je me souviens de ce jour-là, il y a tant d'années. Oui, j'étais un dresseur Pokémon, tout comme toi un jour. Je suis à la retraite maintenant, bien sûr, je me souviens toujours comme c'était. C'est un jour de bon augure, c'est certain. Si tu cherches Théo, j'ai bien peur qu'il ne soit pas ici. Il est déjà en route pour le labo Pokémon, au nord de la ville. Ah mais, j'ai reparlé sans le faire exprès. Je mitraille la touche B. Allez, c'est bon, on a compris. Bah dis donc, il est déjà à la retraite alors que son gamin a que 10 ans. Il y a une histoire écrite sur ordinateur, le dresseur Pokémon le plus cool du monde, par Théo Ken. Ah, il a 11 ans, pas 10, 11. Ça semble mal l'écrire, le lire. Allez, on va lire la casserole. Le plus meilleur dresseur Pokémon était le champion de Kanto, Johto et Tandor. Il n'a jamais perdu une seule fois. Ses Pokémon étaient forts et puissants. Ils étaient tellement forts qu'ils ont une nouvelle évolution appelée Super Mega Évolution de la Mort qui tue Banzai. Ouais. Tout le monde pensait qu'il était cool, même son meilleur ami en arrivant. Il s'appelait donc Théo. Juste pour le côté humoristique. Bon, faut que j'arrête de me cogner sur tous les murs là. Courir. J'ai parlé à lui, il me semble. Donc c'est toi, celui qui amène l'argent pour la famille. Maintenant, Anorian, je devais faire coucou à Tintin un de ces jours. Oh oh. Labo de recherche de Pokémon de Bambo. D'ailleurs, un Surdo a une super évolution. Hein. Et hey, attends. Pour l'exclamation. Où est-ce que tu crois aller? Attends, faut que je trouve une bonne voix pour lui. Ah non, Gollum, la voix de Gollum. Où est-ce que tu crois aller, hein? T'essayes d'aller à la salle labo avant moi pour choper le meilleur Pokémon? Eh ben ça n'y va pas! Parce que je prendrai le meilleur en premier! Essaye de me rattraper, Marion! Allez, la course! Oh, il a disparu. Alors ici, vous pouvez admirer les starters dans le jardin du professeur Bambo. Un minou, une sorte de poisson avec des boules rouges et... une sorte de salamèche noire. Bambo, hey, si ce n'est pas Anarion, ton ami. Tommy, c'est ça? Honnêtement, pas. Tu sais jamais me demander, hein? C'est Théo. Oh, bon, Théo, tu arrives à temps. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour vous deux. C'est votre premier jour de travail en tant qu'assistant de recherche de terrain en labo du prof recherche... en labo de recherche Pokémon de Bambo. Votre travail sera de voyager à travers Tandor afin d'observer et de capturer plusieurs et différentes sortes de Pokémon afin de m'aider dans ces recherches sur les éléments Pokémon. J'ai ici 3 Pokémon qui vous aideront dans votre aventure. Par contre, avant de recevoir vos starters, vous deux devez prendre le test d'aptitude du dresseur. Un examen? Je n'ai pas étudié pour un examen. Je croyais que tu nous donnerais un Pokémon rare et puissant. Du calme, ne panique pas. C'est pas le genre d'examen qui te demande d'apprendre des cours. C'est une manière de déterminer quelle sorte de dresseur tu deviendras. Différents Pokémon de départ signifient différents styles de combat. Ton Pokémon de départ sera ton ami à vie. Alors il est important pour toi de bien travailler ensemble. Ouais, j'ai compris, assez parlé. Je veux mon Pokémon! Eh bien, gamin, tu n'es pas très patient, toi. Bon, d'accord. Si tu veux en savoir plus sur ce qu'est le test avant de commencer, tu peux parler à mon assistant. Maintenant. Ah non, es-tu prêt pour le test d'aptitude dresseur? Non. Eh, mais pas trop longtemps, d'accord? Le test d'aptitude de dresseur Pokémon sépare les dresseurs en 3 catégories. Défensif, offensif et équilibré. Le professeur vous donnera ensuite un Pokémon de départ qui conviendra le mieux à votre style de combat. Les dresseurs défensifs reçoivent le Pokémon plante Orshinx. Le nom n'a pas changé. Il est gentil, robuste et facile à dresser. Les dresseurs offensifs reçoivent le Pokémon de feu Raptorch. Il est fort, rapide, mais pas difficile à contrôler. Les dresseurs équilibrés reçoivent le Pokémon eau Elitux. Sa nature calme et sereine lui permet de s'adapter à n'importe quelle situation. Je sais bien, le Pokémon de départ est ton partenaire principal le long de ton voyage. Oh, oula, c'est sérieux. Allez, c'est parti. Allez, test. Excellent. Quand tu rencontres une nouvelle sorte de Pokémon sauvage, quelle est ta première réaction? Si je réponds honnêtement, c'est lui lancer une Pokéball. Hein. Très bien, vous deux. Allez, c'était trop facile, donne-moi une question plus difficile. Ok, question suivante. Laquelle de ces CT préférez-vous apprendre vos Pokémon?
Bon, puissance cachée, c'est trop aléatoire, le type. Abri, à choisir, ça serait ultra laser. Allez, on continue, suivant. Lequel de ces Pokémon gagnerait une bataille sans limite? Bon, Scorvol, je suppose que c'est l'évolution de Scorplane. Flaramp. Ouais, c'est sympa, Flaramp. Mais je préfère l'Aviator. Est-il possible de rater ce test? Non, il n'y a pas d'échec. C'est juste un test de personnalité. Quelle est ta motivation pour devenir le dresseur Pokémon? Alors moi, quand je fais un jeu Pokémon, ce que je préfère, c'est explorer la région, découvrir le scénario. Il n'y en est pas question, je serai un maître Pokémon. Allez, les résultats, Bombo. On se croirait à Alawa ou dans les îles oranges avec lui. Hein. Alors... Nous ne brûlons jamais pour un Pokémon forain. Raptorch, avec un E à la fin, une traduction française, est le meilleur choix. Attends, je sais pas pourquoi je manipule la souris, là. Allez, on va sauvegarder. Menu. Allez, on sait jamais. Voilà, comme ça, c'est sauvegardé. On sait jamais ce qui se passe, hein. Et hop là, je rajoute Raptorch. Alors, quel surnom je vais donner? Ouais, parce qu'on use le challenge, la règle numéro 3, qui est officieuse mais quasiment imposée, c'est de surnommer ses Pokémon. Alors, qu'est-ce que je vais donner? Bon, c'est quoi? C'est un lézard, Flaramèche. Alors, je sais que j'avais appelé mon Salamèche Narloqué, mais j'aime bien que chaque Pokémon ait un nom unique, chaque espèce, enfin famille d'évolution différente. Donc, allez, petite pause de filmage. Je vais aller chercher dans le dictionnaire elfique. Oui, parce que j'ai tout prévu. 3 minutes plus tard, le temps de trouver le bon surnom. Voilà, j'ai enfin trouvé un nom grâce à mon dictionnaire elfique. Donc, ça sera... roi, qui est la racine pour chasseur, et Nar pour le feu. Il faut que j'active mon clavier irlandais pour l'accent, parce que l'accent c'est sacré en elfique. Non, je me suis trompé de touche, c'est Alt Gra Q. Voilà, je repasse mon clavier français. Entrée. Et j'enlève le souhait de là. Hey, j'en ai marre d'entendre. Oui, Gollum. Un Orion a déjà eu son Pokémon. Qu'est-ce que j'aurais le mien? J'ai fini de visiter les résultats, Théo. Vu sa personnalité, il aurait aussi eu Raptorch. Il est impulsif. Mais du coup, voilà, pour le calmer un peu, il va donner le Pokémon le plus tranquille. Oh, Shinx. Allez, prends ton petit miaou. Anarion, t'as un Pokémon? Eh ben non, j'en ai un aussi! Tu sais ce que ça veut dire, non? On doit se battre! Oh, s'il vous plaît, pas dans le labo! Ah, j'adore cette réplique de Bambo. Rivalité, on veut se battre avec ses points, c'est plus marrant. Miaou! Il est niveau 7, hein, vous noterez. Hein. Allez, on va découvrir notre Pokémon. Il est très persistant. Oh, les EV semblent bons. C'est quoi, foufou? Oh, comme nature dans... choisi dans le forum Nuzlocke France. Calculatrice. Est-ce que j'ai de la chance? 21 plus 18 plus 27 plus 24 plus 13 plus 17. Oh, 120, bah... J'ai de la chance, à peu près une chance sur 4 d'avoir autant d'IV. Bah, je pense qu'il va me plaire, en plus il a une nature qui augmente l'attaque spé, donc ça le rend encore plus offensif. Allez, Renard, il est temps d'exploser avec une... J'ai déjà Flamèche, c'est génial. Aïe, il m'a griffé. Oh, il s'est brûlé. Eh oui, parce qu'ils ont des capacités spéciales bien marrantes. C'est extrêmement efficace. Oui, parce que le petit miaou qui tire la langue, là, enfin le miaou, il est acier et plante, donc ça fait très mal.
Level up! Bon, la défense clé souffre du coup. Et Nario a vaincu Rivateo. Quoi? Mais j'étais censé gagner! 404 résistes Pokéfric. Mais comment je suis censé être la meilleure dresseur de tous les temps? Comme Régis. Heureusement, il ne me traite pas de minable. C'est impossible! Les bons dresseurs ne perdent jamais, je sniff! Théo, ne pleure pas, s'il te plaît! Je te caresse dans le sens du poil, allez. T'es soigné. Je voulais devenir un dresseur imbattable, pourquoi je voulais pas gagner? Je voulais vraiment gagner! Bon. Il explique l'avantage des types, tutoriel, didacticiel, on a compris. M'en fiche! Je veux recommencer! Pourquoi c'est Nario qui a eu le meilleur Pokémon? Ah, pas juste! Je veux retourner à la maison! Gamin de 11 ans, hein? Soupir, il a été plus touché que je ne le pensais. Mais il ne faudrait pas le juger trop hâtivement, ce n'est qu'un enfant après tout. Je ne m'attends à ce qu'il découvre qu'entraîner des Pokémon n'est pas si facile que ça. Je vais à la sortie de la ville de Nos sur la route 1, amène Théo et je vais vous apprendre à tous les deux comment attraper un Pokémon. A plus tard, Nario. Je développe un nouveau type de potion pour Pokémon en ce moment. Allez, pour moquer. Non, c'est pas par là. Ça, je vais montrer à ma même. Non, c'était pas ici. C'était pas là que je voulais aller. Bon, c'est pas grave. Et là, Nario, je voulais vous montrer à toi et Théo comment attraper un Pokémon. Veux-tu aller le chercher? Il devrait être chez lui. Oh, pas gentil ça. Je sais plus ce que je voulais. Ah oui, voir ma mamie. Je vais lui montrer mon Pokémon parce qu'elle a demandé à voir mon Pokémon. Oh mon bébé, tu es venu me voir! Que c'est agréable! C'est un Pokémon! Il s'appelle comment? Raptor? C'est trop. Non, il s'est donné un surnom. Reviens quand tu auras besoin de repos si tu veux simplement me faire plaisir. Voilà, elle est contente. Alors. Bon, j'ai répondu honnêtement au test de personnalité. Mais si j'aurais voulu être vraiment prudent pour le Nuzlocke, il aurait fallu que je prenne Orshanks, qui est vraiment le Pokémon tankiste. Oh! Il est pas content. Là. Bon après, difficile d'avoir plus immature que dans Pokémon version éclat pourpre. Hein. Qu'as-tu dit à mon fils? Il a couru l'étage en pleurant, il a verrouillé la porte après lui, il ne veut plus me dire ce qu'il ne va pas redescendre. Je te jure que si tu as fait quelque chose pour le faire souffrir... Trois petits points. Oh, c'est donc ça, il a choisi le Pokémon le plus faible et tu l'as vaincu dans un combat. Il avait quand même deux niveaux plus que moi. Oui, c'est le mode de challenge qui fait ça, sinon il était niveau 5. Bon, je vois tout s'explique. Une dure leçon, c'est sûr, mais Perth fait autant partie du dresseur que la victoire. Il voulait de tout son cœur que ce premier jour soit parfait, donc échouer dès le départ le fait pleurer. Mais ça va s'arranger, allez. Théo, descends tout de suite, jeune homme! Ou tu vas avoir être privé de dessert. Renifle. Ouais, ouais, on a compris. Il est jaloux. Il lui explique qu'il faut qu'il entraîne plus de Pokémon différents, donc il faut qu'il en capture de nouveau. C'est un peu le didacticiel, hein. Allez. C'est un cadeau? Oh, un cadeau, un cadeau. Goulum va être content. Un Poképod. En fait, c'est le Pokénave, hein, ou le Pokématos. Et c'est fabriqué par Apple. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, on va y aller. On va finir ce didacticiel parce que... Ah, une nouvelle centrale nucléaire Epsilon. 10 ans après, ils reconstruisent déjà sur le Tchernobyl, et ben... Il doit pas y avoir beaucoup d'uranium, hein. C'est quoi, il me semble que c'est le radon, même le radon c'est dangereux, c'est une demi-vie de 27 ans, il me semble. Alors, Pokémon. Une radio, utilisée pour la musique, une carte. Un téléphone. Voilà, pourquoi c'est Apple? Parce qu'il y a écrit Hippoké. Ils font beaucoup de pub dans ce jeu. Et là, Nario, maintenant que vous êtes là tous les deux, il est temps de commencer votre première leçon en tant que dresseur Pokémon et comme aide de camp. Regardez attentivement. Les Pokémon sauvages, comme vous le savez probablement, vivent dans les autres herbes. Mais pas seulement, on peut aussi les trouver dans les cavernes, dans l'eau et même en ville sans chercher. Parenthèse, c'est hyper chiant dans les cavernes et dans l'eau parce qu'il y en a partout. En tout cas, les autres herbes seront votre meilleure chance de trouver de nouveaux Pokémon. Faites simplement quelques pas et... Oh! Un Pokémon sauvage, c'est un Tamulo! C'est mon mulot à moi. Non, c'est ton mulot à toi. En le troussant par ici, il m'a toujours pas vu, c'est maintenant ou jamais. Vas-y, Letux.
Ce petit bonhomme est notre Pokémon deck park que vous aurez pu recevoir. Je pense qu'il a une mala bonne et je l'aime bien ici, donc je vais le garder. Et alors, la prochaine étape consiste à l'affaiblir. On le tape en l'air. Et hop! Et hop! C'est bon, il est bien connu. Maintenant qu'il est affaibli, il est facile à capturer. J'envoie un Pokémon. Et j'ai capturé un Tamilo! Toutefois, les Tamilos sont faciles à capturer. Bah oui, c'est l'équivalent des Rattata en gros. Mais vous trouverez des Pokémon bien plus durs à attraper, les légendaires notamment. Un Pokédex! Oh, le Pokédex! Attrapez-les tous! Ah, la vieille réplique! Enfin, c'est la devise de Pokémon. Attrapez-les tous, Pokémon! Une à Kevlar, le gilet pare-balles. Allez, notre quête est enfin terminée, le didacticiel aussi. Anarion, je m'en fous que tu aies le meilleur Pokémon des départs. Je serai quand même le meilleur dresseur de tous les temps comme Régis. Je chopperai des tonnes de Pokémon et je gagnerai tous mes combats. J'ai hâte que tu vois ça. Bon, ben, notre épisode s'arrête ici. Hein. On a donc une potion, un Pokédex. Les Raptors sont des Pokémon vifs qui nécessitent une attention constante, sinon ils commencent à enflammer les alentours. Dino de feu. Zone inconnue. Pourquoi zone inconnue, là? Bon, ben, le GPS a un petit problème technique. Ah non, en fait, non. C'est la zone de recherche du Pokémon. Je croyais que c'était la carte... Elle est où, la carte, d'ailleurs? Non, là, c'est bon. Le GPS fonctionne. Donc, on va sauvegarder. Après combien d'heures de jeu, déjà? 31 minutes. Bon, je pense que l'épisode est assez long. Attends, elle est où, la sauvegarde? Voulez-vous sauvegarder? Oui! Bon, merci d'avoir regardé le premier épisode didacticiel starter. On se retrouvera dans l'épisode suivant pour la route 1, quelques dresseurs, un peu de farm. Et on s'arrêtera jusqu'à la prochaine mille. Alors, merci d'avoir regardé ce début de Nuzlocke Challenge en mode difficile avec Renard, le Raptorche. Et soyez fidèles à ce début de nouvelle aventure bien hardcore.